Merci beaucoup, mon Ah, père. ben caca, papa. Ok, et après toi, hein? Oui. Eh bien, nous avons des gens qui ont été mis en place aussi. Eh Mais oui. il y a des gens qui ont été Il y a des gens qui ont été mis en place. Donc, il y a des gens qui ont été mis en place. Donc, il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des gens qui ont été mis en place. Donc, il y a des gens dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Nous soutenons les gens qui ont été mis en place. C'est ça. C'est ça. Va essayer de faire des choses qui ont été mis en place. On va soigner nos darans. C'est ça. On y a nous qui est. Nous avons les seigneurs comme vous. On les sort de l'imo. Et nous avons tout de ma sort de l'imo. Et nous les avons pris. Les quoi? Et nous avons dit non. Nous avons laissé quelqu'un l'eau. Que la bobe a un lèque bia. Si elle est qui a les qui a mis pour les seigneurs de cas. On est en fait. Mais on est en fait. Nous disons moi. Voilà tout le monde avec. Et oui, blé à l'équipe contre Yoval. Ah oh, mine les blé à l'équipe contre nous de plus. Voilà, voilà dans le même. Bon, et nous, et ma soeur bien à. Oncle Marcel. Ok. Bon. Ok, Ima. Na parla ke mwena ko e wa la elwedu. Mais si mwena ko ayo a ouvlani e ayo dunu e di sou la cha. Ma peke ba vinne ko wese a ou na zona ay oko weni la ka ou na cha ofitu na yava. Ya oko weni la ma cha ofitu no ayava. Mata ni ay oko weni la e ko aze vizu no cha swe na ou na lame la e. Bon, si zita ou zola a le yu ukuli. Ba a ou na mire na le rena a yu ukuli. Ko azo nu sisi ya nu ko se atedi sele ne vla ni sisi mo mu ana alo ala ebi mo ma na zo ke zo anije la bafa ne mi ai titi vla me ke mu o si la o le kwadi waka toja o ba se akoto fi kro ma se o nyi le nu efu bene ka ko abi zati ko ba ko su ona lo ola mo le ku se tudi la fa me ke mu o se bi o ka do la ne ko bu a o vla na zo ko nu Antoine Biazo ne e dia ko ka le didi vla la nu o si vla ku na muti ka ila Mais nous avons fait nous, Atami, on s'est allé à Youdounou. Mais nous avons fait nous, Mohamed, Alou Rachid, Abdou Rachid, Azevia, ils ont fait nous. Si, si, non, là, mais nous, on l'a coupé, il a eu. Il a eu, 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 il a Ma te de meyi la bafa. Ba peko afana la me mu oyido idi la. Me ozenyo ale na madu. Ba awla awla. Per. E date no Martin. Martin na yo. Martin na yo. Ota azo na yem la kwa kazo no. Kou se hate de wane la do. Ou se du e kweto. Ou se la nou me. Emye yo. Emye. Emye vla me. Ou se du e kweto. Ou se la nou me. Osi nou lu vi esinale. Ad no sinale no wazo kone sinale. Ma men men amela. O sinale la nou ou se tu. Aussi là aussi où le vilain aussi on là où le vit bam où c'est tout là mais où est signalé et quoi qu'à quand c'est moi avec où le vit bilaye quoi zone moi non non c'est à toja non non toja nous le vit à toja où le vit na toja mais outi a muti na maka où le vit outi et quoi qu'à quand c'est moi mais avec où le vit là mais où c'est mien où c'est à quel point moi la fa aussi bas le ministre aussi bas le président aussi bas tout le premier ministre aussi quel quoi avion Ah, le vivi qui est là, on a mal le président. Et bien, il y a quoi à cause de la loi, on a quoi le président de l'Assemblée nationale, et bien moi, l'annoncer. Mais qu'on fasse, on l'a mis, et quoi qu'on l'a aussi sur la, moi l'a aussi sur. On a ma main, et qu'on s'est pas raison où le vivi sous quoi bébé, c'est à l'eau, on s'est sous quoi bébé, où le vivi, abama, bon, on a zone sauce. Ama, mais on a zone sauce en mina sur l'eau, ama calca sinale, moi, la natte. Mais n'attendez quoi qu'au à ouvlani à c'est l'odoko attendre à zola fa mais n'a pas agla qu'au à ouvlani à qu'au à zé ok fada ok ulisaka à unabi no à ouvla Antoine la neige et dia qu'on a zoni ou yadumi mais vous le savez il y a un auditeur également qui arrive allô allô oui Mireille ah merci qui revient pour une deuxième fois Oui, je viens par rapport à l'intervention de mon père, qui a parlé du droit. Quand on parle de droit, on le voit bien avec nous, quand on nous subit à l'Union de Vignon. Dénaya quoi, Dénaya, avec des médaux Dénaya, voilà. Amé à l'Union, amé à l'Union, amé à l'Union, amé à Amiado, ebe jena, ke ni do la nonso. Se a ou di, 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 se
C'est comme ça. Maintenant, pour ti a ça et son éducation américaine, bon éducation benyali et vendre et va bon éducation benyali. Les que dit les plan Antonio de Bioro, les que dit les plan de Bioro. Néan. Néan Antonio de so, mi a de bio, so les musbio, mi a de musbio, mi so les do. Et papa, t'es bien. C'est normal, mais là, il y a des diacres qui sont là, donc, ouais, mais il y a Patena, il y a Novi, alors, il y a Nadan, il y a Novi. Voilà. Mais ça, c'est papa, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, nous sommes là, donc, ouais, il y a Patena, il y a Novi, alors, il y a Patena, il y a Dada, et les Nignons noirs. Donc, l'éducation, elle est très, très importante. Franchement. Kakavaro, Fifi. Kaka varu fifi ya dada mirei. Mila odonwa suboru wa ele ba kwa tole miya ba hume, kwa tole miya be pume omelo. Voilà, voilà. Niwa, il faut que ne so a hume, so kaka gome zeje, leke mi me kwa mebe viodo. Founuye mi la te korije, erreur wa ole. Doka, ano fi, ane yo bifende mousu mi depi yi. Parce que maintenant, il y a des plans, on a des plans. Bon, là, on a des vignons, il y a des plans, madame. Ça veut dire qu'il y a des plans. Des poses, bon, il y a des échanges avec plans, mais il y a des poses. Des poses, oui. Mais il y a des plans. Donc, pour tirer quelqu'un, il est sourd, il n'y a pas de parents, on voit la home. Merci. Il y a des gens, il y a des vieux, il y a des chiens. Quand on a nos niais, il y a des gens. Ami debe jinai yo la wene nkan me nyon bi alo ni muso voilà enyo dada mi re ape kaka arobe ape ma oyiro gbogbo re sia oyiro le nyon odo meru. Alors, nous revenons, Emmanuel, en studio rapidement pour retrouver Abou Rachid pour la question qui concerne maintenant le code de la famille. Le code de la famille. Oui, et que disent concrètement les lois à propos du CPF et comment se fait le partage selon les dispositions du CPF? C'est ça. Ok, il faut rappeler d'abord que le CPF, comme définition, c'est le code des personnes et de la famille. Mais il n'y a pas que ça. Il y a de ces lois, plusieurs lois. Oui, qui font... que nous avons un auditeur ou une auditrice. Allô, Louis Saint Jésus-Christ. Ah, bien non, raison. Yo, maman Hélène. Déco, à faire, Mélé. D'accord, écho. Et bien, les bois, on m'a donné. On m'a donné un invité à vous. Après, on caca. Malgré les réunions, nous voulons les voir, nous sommes des réunions pour les défendre. Alors, éloigné, derrière un grand homme se tient toujours une grande dame. Tamio on l'a dit, mais le dos, c'est le rêve. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vraiment. Donc, je disais, ces lois, ces lois font la promotion de la femme et pour l'équité genre, c'est-à-dire l'accès équitable des femmes, des hommes et des femmes à la terre. Nous avons pu recenser au moins 5 lois, dont 2 internationales, c'est-à-dire au niveau international, et 3 au niveau national, c'est-à-dire au Togo. Donc, au niveau international, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme, DUDH. Oui. Avec son article premier qui dit tous les hommes naissent égaux en droit et en dignité. Oui. Donc la phrase là veut dire quoi concrètement? On dit tous les hommes naissent égaux en droit et en dignité. Ça veut dire que l'homme et la femme, ils ont le même droit. Puisqu'on a mis homme avec rattachement. Voilà. Ce qui veut dire que l'homme ne peut pas supposer être inférieur que la femme en droit et en dignité. Point. Nous avons également la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, CEDEF. CEDEF dit, la discrimination est le fait, d'abord la définition de la discrimination, c'est le fait de séparer un groupe humain des autres en le traitant plus mal. Exemple de discrimination, les rites de veuvage diffèrent selon les sexes. Aujourd'hui dans les communautés, quand vous arrivez, quand il y a décès, très souvent on pense que c'est la femme qui a tué son mari.
Donc il faut passer par A plus B pour prouver que ce n'est pas elle. Soit on l'enferme dans une chambre avec des rituels pas possibles. C'est ça. On ne peut pas détailler tout ça là, ici à la radio, à cause du temps. Il y a aussi l'éducation scolaire de la femme qui est très faible par rapport à celle des garçons. Oui. C'est-à-dire la femme, la jeune fille, on envoie moins de jeunes filles à l'école que les jeunes garçons. Oui. La femme accède moins à la terre que les hommes. Ça, c'est un sujet sur lequel on ne va pas s'apesanter. Nous allons passer à la troisième loi qui est nationale, la constitution togolaise, avec son article 11 qui dit la même chose que l'article 1er de DUDH, c'est-à-dire tous les hommes naissent égaux en droit et en dignité. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, il y a le code des personnes et de la famille. Cette loi dit qu'on doit partager équitablement l'héritage, y compris la terre, entre hommes et femmes. Donc, et dans c'est le père a maturé ça tout à l'heure. Voilà. On doit divulguer ça. Et nos parents, nos grands-parents, dans nos lieux reculés, est-ce qu'ils sont courants que l'État togolais a déjà fait l'essentiel pour que c'est le partage soit équitable? C'est ça le problème. Donc, ce code des personnes et de la famille, en son sein, on retrouve comment partager l'héritage. C'est ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, on vous suit. Donc, avant de partager l'héritage, il faut se poser un certain nombre de questions. Et nous avons organisé ces questions selon l'importance. La première question, c'est de savoir si le défunt a des enfants ou des petits-fils. C'est ça. C'est la question la plus importante. On se base d'abord sur les enfants ou sur les petits-fils. La seconde question serait de savoir si le défunt a un conjoint. Et quand on parle de conjoint, aujourd'hui le CPF est en train d'encourager les mariages à l'état civil. Quand on parle de conjoint, c'est-à-dire que tu es marié légalement au monsieur, ou soit vous êtes marié légalement. Donc le CPF ne prend pas en compte l'union, l'union traditionnelle. Vous pouvez beau chanter, danser dans les églises. Si vous ne paraissez pas devant le maire pour légalement se marier, après la mort du conjoint, vous pouvez vous voir dépourvu de tout. Et Rachid, c'est là qu'il faut saluer aujourd'hui nos dirigeants religieux. Voilà. Chez les musulmans comme chez les catholiques aujourd'hui, le mariage, on vous et dit que vous devez passer par ça. Voilà. Et il y a la sensibilisation dans les mosquées, la sensibilisation dans les églises. Et c'est le lieu de les saluer. Ils ont compris. J'espère que la relève sera meilleure. Quoi. Voilà. Justement. Donc, je disais, la deuxième question, c'est de savoir si le défunt, il avait un conjoint. La troisième question, c'est de vérifier si les parents du défunt sont toujours en vie, c'est-à-dire sont toujours vivants. La quatrième question, et c'est la dernière, c'est de voir si le défunt a des frères et des sœurs. Donc pourquoi on a classé ça comme ça? Vous allez voir ça à la suite. Nous allons répondre à des questions par oui ou par non. C'est ça. Premièrement, si on demande si le défunt il a des enfants, c'est oui. Est-ce qu'il a un conjoint, c'est-à-dire un homme, est-ce qu'il est marié légalement? Si c'est oui, on partage l'héritage en quatre parties égales. Les femmes ou la femme du conjoint, elle prend un quart. Et les enfants vont prendre les trois quarts. Si la première question, c'est-à-dire le défunt a des enfants, est oui, et elle n'a pas de conjoint, l'héritage va entièrement aux enfants. Vous me suivez? Oui. Voilà. Donc, la troisième question, la troisième partie, c'est lorsque le défunt n'a pas d'enfant, il a un conjoint et il n'a pas de parents. Donc, l'héritage va à ses femmes ou à sa femme. Le quatrième niveau, c'est lorsque le défunt n'a pas d'enfant, il n'a pas eu d'enfant, il a un conjoint et ses parents aussi sont en vie. Donc, l'héritage se partage en partie égale, c'est-à-dire moitié revient à sa ou ses femmes, moitié revient à ses parents. Demi-demi. Oui. Le cinquième niveau, c'est lorsque le défunt, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, ou bien il n'est pas marié, mais il a ses parents. L'héritage va entièrement aux parents, selon le code des personnes et de la famille. Le cinquième ou sixième niveau, c'est lorsque on retrouve non. C'est-à-dire, le défunt, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de conjoint, il n'a pas de parents. C'est-à-dire, les parents sont déjà décédés. Là, l'héritage revient
aux collatéraux. Et qu'est-ce qu'on désigne par collatéraux? Ses frères et ses sœurs. Vous me suivez? Oui. Voilà. Maintenant, si on retrouve non à toutes ces questions, c'est-à-dire il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, ses parents ne sont pas en vie, il n'a ni frère ni sœur. C'est-à-dire qu'il devient un homme sans trace. Voilà. Donc, tout ce processus-là revient. Non. L'héritage revient à l'État. C'est-à-dire que l'État prend possession de l'héritage, des biens de ce défunt. Alors, c'est ce que stipule la loi dans son ensemble. Le code des personnes. Mais comment cela est exécuté maintenant sur le terrain? Parce que la loi, le code a beau stipuler cela, reste maintenant l'application sur le terrain. Justement, c'est là les ONG, on doit faire appel d'abord au gouvernement et les ONG à leur côté pour faire un maximum de sensibilisation dans les communautés surtout. Puisque aujourd'hui, dans les zones urbaines, on remarque que c'est mieux par rapport aux communautés. Quand vous arrivez dans les communautés, franchement, le raisonnement de certaines femmes, les femmes pour lesquelles on plaide, les femmes pour lesquelles la lutte est engagée ou entamée, elles-mêmes, elles ne se sentent pas concernées. On arrive par exemple à une sensibilisation d'accès des femmes à la terre, vous remarquez qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Tout ce qui concerne la terre, la femme, elle est là, elle croise les bras, elle dit, bon, ça c'est une affaire d'hommes, c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Quand on dit terre là, c'est homme. Donc, elles ne viennent pas. Donc, c'est un phénomène qu'il faut vraiment mettre sur le tapis. Et on fait vraiment appel aux OSC de multiplier les sensibles. C'est vrai qu'il y a quelque chose déjà qui se fait. Mais il va falloir augmenter plus d'efforts pour pouvoir atteindre un maximum de communautés. Donc, c'est dû à un problème de sensibilisation. Voilà. Et de la façon dont les femmes même s'approprient la chose dans son ensemble. Alors, dites-nous, c'est quoi les investissements fonciers à grande échelle alors? Voilà. Les investissements fonciers à grande échelle, de définition simple, ce sont les achats de superficie de beaucoup d'hectares supérieurs à 200 hectares, accessibles donc à ces firmes disposant de capitaux importants et non aux exploitations familiales. On pourrait donner l'exemple de Sainte-O, la sucrerie d'Anier, et de Sonaf dans la Gou. Oui, oui. Donc, je viens de donner les exemples de IFGE, d'investissement foncier à grande échelle. Je vais donner l'exemple de Sainte-O et de Sonaf d'Agou. Donc, ces grosses structures, bien ces étrangers, viennent dans nos communautés. Souvent, c'est dans les communautés parce que c'est là-bas dont. C'est là-bas, il y en a assez de terre. Alors, ils arrivent et là, ils s'accaparent d'assez de terre, de parcelles de terre pour exploitation, soit agricole, ou bien installation d'usines, de transformation, etc. Alors, existe-t-il des communautés disposant toujours de telles surfaces de terre chez nous au Togo? Oui. Bon, au Togo, je vais donner l'exemple de là où on est actuellement, dans la région des plateaux. Dans la région des plateaux. Quand vous arrivez dans les communautés reculées, vous allez trouver une collectivité ou bien une personne disposant de plus de 200 hectares aujourd'hui, à l'heure actuelle dont je vous parle. Attends, là où on est assis là? Actuellement, je vous parle, vous pouvez voir une personne, un seul individu disposant de plus de 200 hectares. Donc là où Tata Mireille est peut-être détentrice peut-être 3000 hectares. Peut-être 1000. Waouh. Peut-être 1000. Il reste à savoir, c'est à elle de revenir, de nous préciser. Voilà. Si réellement ça est le cas ou pas. Justement. Alors, dites-nous, quels sont les avantages et inconvénients des IFGE? Bon, si on prend les avantages, elles sont peu, mais les inconvénients sont multiples. Ça a été toujours comme ça, surtout que ces organisations, bien, ces investissements ne profitent vraiment pas à nos communautés. Comme avantage, on peut remarquer la source d'emploi. La source d'emploi des jeunes ou bien des populations riveraines au lieu du projet. Mais très souvent, on remarque qu'il y a de la tricherie. Si vous arrivez à Sainte-O, par exemple, si vous questionnez bon nombre d'employés là-bas, ils vont vous dire que leurs conditions ne sont pas meilleures. Mais pourtant, ces Chinois sont installés sur nos terres. Ils se sont accaparés de nos terres. Mais ce qui revient à la population n'est pas vraiment ça. Et les promesses qu'il avait fait avant de s'installer, c'est-à-dire quand un investisseur vient, il présente un projet,
il présente aussi les promesses, c'est-à-dire ce qu'il va réaliser à la communauté. Mais très souvent, ce n'est pas fait parce qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse suivre ce dossier. Oui. Parce qu'ils viennent souvent en catimini, ils signent des contrats avec les autorités du pays, c'est-à-dire le gouvernement, qui les déplace sur les lieux et qui renvoie les autochtones de leurs parcelles et les installe. Donc, ils ont d'abord une force à mettre en valeur. Ils rejettent très souvent les propositions des communautés. Mais aujourd'hui, la loi est arrivée. Le code foncier, justement, je n'ai pas parlé de ça à cause du temps. Le code foncier a défini ou bien a décrit les dispositions qui permettent d'éviter ces genres de choses. C'est là où je voulais en venir. Ils ont valorisé les chefs traditionnels, les élus locaux, à mettre en œuvre ou bien à mettre en application ces dispositions qui vont permettre aux communautés de bénéficier désormais de ces investisseurs. Voilà. Alors, que faire alors pour éviter des inconvénients aux communautés, surtout à nos chères mamans dans les communautés? Que faire? Là reste la question. L'accent est plus posé sur la femme à ce sujet, car c'est en leur faveur que nous sommes ici ce soir. Les communautés et les femmes doivent s'engager. C'est le premier point. Les communautés et les femmes doivent s'engager. Les femmes doivent connaître au premier abord leurs droits et les réclamer ensuite. Au lieu de toujours mettre en devant les hommes pour décider à leur place, qu'elles prennent leur courage à deux mains et décider elles aussi de tout ce qui relève du foncier dans leur communauté en général et dans leur famille en particulier. Donc la femme ne doit plus rester les bras croisés à attendre que l'homme aille prendre les informations et venir lui faire le retour. Non. Les communautés ainsi que les femmes, si on met beaucoup l'accent sur la femme, c'est parce que c'est à leur occasion que nous sommes ici. Je venais de le dire tantôt. Mais les communautés et les femmes doivent s'engager. C'est le premier point. Les communautés et les femmes doivent s'organiser. Comment ils peuvent s'organiser? Les femmes doivent contribuer à mettre en place des comités de gestion foncière au niveau de chaque collectivité. Le code foncier a prévu la mise en place des COGEF au niveau de la commune et des SVGF, les sections villageoises de gestion foncière, au niveau des villages. Oui. Donc, ces sections, la SVGF est supposée appuyer les chefs de village. Et les COGEF seront aux côtés des maires. Donc, ces comités, normalement, ont l'obligation ou bien ont le devoir de gérer le foncier dans chaque communauté. Tout à fait. Donc, ils doivent non seulement mettre en place ces comités de gestion foncière, mais élaborer des conventions locales. Le code foncier permet aujourd'hui l'élaboration des conventions locales qui peuvent être certifiées au niveau des mairies. C'est-à-dire, un village ou bien une communauté décide, par exemple, aucun investisseur ne viendra dans notre communauté. Point. Ici, ils amènent au niveau de la mairie pour qu'on certifie. C'est une loi locale. Et ce serait appliqué partout dans la communauté. Donc, ils transforment carrément leur forêt ou bien leur la gestion de leurs ressources forestières à la mairie. Oui, c'est-à-dire ils prennent leurs décisions et ils amènent ça au niveau où on peut certifier. Mais également, aujourd'hui, il y a des projets au niveau du ministère de l'Environnement qui sont des projets, de gestion de forêt communautaire qui prennent en compte également ce volet-là. Justement. C'est un autre cas. Mais ce cas précis dont je parle, c'est au niveau local. C'est au niveau local, entre le chef de village, le CBD, les femmes, leaders, ils s'organisent, ils prennent des décisions qui les arrangeraient. Si on prend le côté directement, IFG, à part ce que le gouvernement même a mis. Voilà. Le gouvernement même valorise les chefs. Maintenant, dans ce code foncier, le gouvernement valorise les chefs pour ce genre de situation. Il donne le pouvoir aux chefs de diriger ce genre d'activités et de les amener ou de droit pour que ça soit certifié. Une fois que c'est certifié, c'est fini. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Abdou Rachid. Oui, Abdou, mi la trova ade. Mi a sok beano. Mi apopu non ami nya subo nka mi mi blenvo. Fo egbea. Nyon ube jena nkari jiya mi subo munya jena ya walu dodo ke jidu duawo. Asona mi atogbo mi afufu le tepe vovovoa on po nyen lekeo ne o la tete gbedo won jina mi rajo jina e wa si gbale ke mi ato martin ke blenvaya se o le ju ame sugbo se o le meme ju ta cha be se o le a e nana be mi anya be no nyinyo nu onyinyu so mi apata mi so le se be nkume
Donc les amis bango me tient et tient les mains. Les CEO me a mis à terre et deux on avait DUDH déclaration universelle des droits de l'homme. Et à du tas du bobo sani homawa et les globes n'y a pas tao Jimmy sur sol les seven kumi. A mes siens me do générica. Ne mi la bate pocha et au signé convention de on avait CEDEF. Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Donc à nene benou ou bena nous les bobo toto dodo les amour benou anti. Donc à vos toto on mi connaît les à hopaji. Be niveau non no vi fiami po wa ba ho konua etuna vo na nyusu to garomo garomo mi pona be ne nyonu ku fi fi ne nyusu ko ara no tuna nyonu be ba plota ko to le africa cha mi po be le sukulu igo mea nyano vi nyonu ale copy o me wa lo e om do na o sukula no wa ile ke kaka in kosime nya nya no vi nyusu vi one ye nyano vi nyonu o cha om pona e go me le anyi gba be nyamu. Même il y a une constitution togolaise à Tchang Blombe Miso. Donc, à essayer de faire les codes des personnes de la famille à Tchang le Tekberoji, les Blombe, les Anigbamba, maman, alors que sinon nous maman, be Gomea, nous sommes la messe, soit Messia Medo, Jena de Ka. Donc, à essayer de faire les codes et Vaiva le Péro, et Nyantine, et nous, et Bakona, Nyano Yoko, les Togia, et Nyapata Miso, on y n'y a pas. Il y a mis la pobre les quais au latéma et animal et m'y a beaucoup mieux parce que c'est perflé parce que m'y a tort matin que t'es bérodier donc à elle le verre à nous maman donc à nos diamants on a mis posé la question d'eau bien 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 on a mis assis tu te vois qu'on avait à mais nous barrer et ville ici à l'eau top bio vidéo les siens bien bien tu te vois et vegoire est-ce que ce sont les siens des soins. Mais ce sont les vieux qui m'ont fait à l'eau ni mairie l'eau et c'est tout bon j'avais l'air l'eau quoi ça n'est pas et une blessant mais que fifi a c'est ça d'ao et maman les t'es bérédi même toi tu vois pas ta chale et toi tu pas ta mais son mairie qui m'a dit qu'on va voir Donc, on a chambesque à mes nubéares et tokudo non lesia. On va pas la bia. On va pas la chambesque non vicu folia. Donc, à mien so et bia bia me ve tu bantoa. Né à mes nubéa et vilesi. Yé et nia et son allo et srocha lesia. Et nous maman au manero à pamini. À pas de ka et inana yonwa allo yonwa ou. À pas ton à pas et trois kara. Et il y a et via au commune de Bagnon, nous connaissons Mane Sosoy, Sosoy Benina. Et moi, je dis à tes bêtises, ça, un team de la vidéo, nous sommes en union. On avait trois cartes que Quatan, nous sommes en union. 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 Et que pour toi la messe au sonna des viols et il y a gâté mais pour un chalet de tamnoa des viols les voix à mes nous bien nous serons et en bas le cap la yavadien. Et que sinon, nous n'avons pas de vie, on la met sur soi. Donc, nous, à maman, nous n'avons pas de vie. Et des gens, les amis, ils vont pouvoir vivre les amis, nous, bien sûr. Et seront les si. Voilà, nous, à Chamlo, pour même les si. Et toi, nous, on va la go. Donc, à Neva, il y a, que sinon, nous n'avons pas de nana, nous n'avons pas de vie. Bah, pendant une chamille, on va te poche avec Garomo. Et vimlo et sur un chameleon donc à eva ponato et bien pour me toi et toi coup d'eau noir pour poto donc à neve que sinon noir sonana et toi coup d'eau noir ne va pas avec toi mlo et vimlo et sur un chameleon ne voilà pour avoir faux coup de nos vieux les amis nous bassia gamin et au revoir on a noir parce que mieux on a constaté n'a mais nous bien à même pas valer faux fois coup de nos vieux bas on a nous les gens nous a coup de vie aussi n'y a t'es bérédibé et si en blanc et nous. Les gars qui me vimlo, et sromlo, et tomlo, à qui m'a dit que gomele, ne nebe que sinon nous. Ne, Amérique, pem le name, nous béawa. Et on a fait un hâte, et que sinon nous. On va n'y n'en. Et basso, yéji, un pobé, un yba mama, tchan, dodo qui le wewa. C'est ça, dodo qui le wewa. Miable bé, et inana, nous soukounyon le sosomina soumé. Soumina soumé. Et yon. Et alouke. Mi mi le go e poto mi ponu poso investissement foncier en grande échelle ma jagwa ma kunu te me ni to ma kama kame ale chite kame ale chite mi anu bio chale kame donc kame mi a fo america un bagwa mi ho yo allo allo no café su cristo yo ka yuma go mi a fo fo ke yo mi a fo antoine ni da prova parce que quand on est bossu bien mais j'adore mon mariage mais mariage état civil voyez que j'ai fait pas trop mais en plus de ça mais toi mais ne vois rien encore le mariage d'état civil état civil voilà on va parler Nicolas Wego
No bale copy o me chan ne wa kpolo wa sron no ave la lo le fio ha be ku me ne o me wa ma no me wa e si amate protéger o lo donc a mile de kuku na mi an of yo a fire ku ko le ane o ja de wa ne wa te bi o ape to abe ne ba ko ise togbo game ane so godwa e se on ba ba po ale alo e la te ni be le mi an of yo mos me togbo e wa poligami le sele ele me ri cha te gbon ba ne ba ni se togbo ne ba nu agbale ame ba nu legal gome se ne ba nani okay ape fufu antoine ka be don tia e jeji no eyo e mle po nu so investissement foncier a grande échelle nu ke ni investissement fonctionner mi a we poria Neba mova java plani ba sektar gbogboro fifia ni wa so ajo alo edobe nu one ogbanabe nyabe copy o mi alo nu one ba yinko donc ay nu o mi ona be investissement fonci a grande échelle parce que e zana ni gba be nu o sugbo mi la te po si be 2 hectares ne kaka so yi ko to donc ay wa va ne be nu ona vale jo ehia be mi ato ku mi ano ko le copy mi a ono le nkuro ne be nu onchi parce que il y a avantage les mêmes voyons on va jana nene ke be ni acha ba na nyi ko no beji on to ba na ne ko beji de na ya ko eh wa garo mo to cha ba sana copy o kike eh anyi gbangba no na wa si cha no wa dagblo donc a emile gila do to ji no be one no clever one ke nku viro nu omi parce que si ana omo nu popo be wa cha wa te bio nu ngome kukuso nu yo nji ele vevere wa cha nya le ba nu so cha ne ba nye be si acha de gbe nyonu cha la te do nu ne be nya melo eh yo Ok, Marcel, dis-le bon. Eh, nakpo, agla ko olodine di, wena ko ayo ese di nou to idisene sa ko a ouvlani ayo bafa. Ko ole kwe di bako wa okato ale, me agla kpo ko ONG, wena ko ayo ate kwe bafa. Me wena ko kase zu, ekwe do ya fa no eti bwadwa do ya. Na tenu nou, a zevye se di ni wa, e di ako chile di di la nou, e wayemu yon le nou, e ou se du ekwa ni tovla kele so. Osi nuluvila esinale. Osi nuluvila esinale. Mi iwu sedu wa awu utiayo ena ya enyevla kwa zonu konstitusyon. U sedu eto. Wa nu inyeli jakblo ayu se olulo ayu odoka eto ayu se ya. Kwa zonu na zonu wa na zonu dura universitaire dura de l'homme universitaire. U sedu eto nu osi nuluvila esinale. Wa wamunu wa wana ba ma ale tu ne kwa di. Mwa zovla mwa si ekuvla. Ko avu kele mo avu ne kedi ni mo na kwa na do si do ne di ni a ene avu na do ne di ni a sali ne na kwa ne kele no ul vieto me atekwa na kedu u se azevi atekwa na ma ke la me fo ali ne di mi avu na zo klo mo na uvla ni azo ne di klo me avu na zo no o se la u vie mama ze do ne di ni ka ba wole ye lu kai di ni ko be kedi ni mo ye obu ke na ni ma chichika u buiku o se u se na ke zevi u ne ku atekwa ne to ranu u te ine che no ba ma u ti mo olo de kula azo ne fe no ota chile didi kole o setuku au na na ulani kole yili kama ayili nu babe kala ma uti ku alo mo olo de kula meki munu mi ayo alela meki ina ayo ale mi ayo ale meki yo ale nu meri kodola kamini vliche mer kodola kamini vliche nu ma mi ayo ale me atekwa ni meku ma wani la ba bwe no ma ma mu atede na ado yili la me na zoko nu afona ba nu general nu dunu ba ma mi ayo ale waku adola kamini meri nu mi ayo ale la me kwedo ayo ese dia ze bi ka unuku yo edigboko mola ka ayo ale black ata nya zona ta ayale ko ama ayo si kama ala ku mu uvie kuvla la awon ayo ko ma efo ena ine chiribo ako e osie na yela me ine che la ala aku ulvioni uvioni uvioni mani osi muluvi aba makale isisi la e aba makale isisi mo efo aku mi anga waku mi na ayo ala me ko be ka munu me na nikil ko ma yo temi me po me ayo temi ayi na ba ko se bi chela makoso mi ayo ale ko use na mun mi ayo ale me edia ko akizo agla ni ipa kamilo mi afo ayo ale la me ku meri ko mun mi ayo ale me church wani bi na tenu church wani kizo agla ne gba mi anu mo sel ma ron bi atami kizo agla ne gba bla nu e bi afrika mi bi afo kele church te ko mi bi sumo eso mi a ole yiri kaminu meri amunu mi ayo ale me aka ku ibabudu olulo ayo ato ese to la na te bi investissement grand échelle eh edia ko la lu mo usi ni wa fo na so ko la ni se nu sibla mo wa ze ko din hectare mo ivu e fois alu ivu e la 200 300 hectares ba ko afa no le mo mettre kabu e deni ma fo no yi nu ka jodi aka e lu vla mo ka ko sumo ani ayo wa te fo vla
et vous qui caco. Bah mais où t'as l'année c'est nous tirer là l'eau à vous faire un cadeau. Mais quoi n'y a qu'à douter là, un amour, un coup boîte neuf. Mais moi faut y être quoi n'est là. Mais où t'as l'année diaclo cana cause. Moi c'est bien que tout deux mono à touti bai à essayer. Mais n'a pas la co et ma wanina tenono à y a des noms à y li. Et d'accord qu'il est didi là non, quatanios au l'amour à tes années cabala. Mais à si wan et bien n'a ta migla là. Kana duelu na taili du ayo atesoni ona kana azawani la asiwani na nayo esedi na ili me asiwani na tayingla mwa kana yo atami mimi mwa ona zavidu na alo mal kana mme kama na yedi na pao na biye di senetu dosuko olodinade na pagla ku ONG pako aktu yote o ese ba fane menti di senela aiso no aglapo me ONG ADHD aiso no aglapo di senego bwe kauja aluke c'est tout bana bwe ulese yo. Voilà, Jean-Marc, oui. Nous sommes presque à la fin. Et tout à fait, Emmanuel. Nous sommes pratiquement à la fin, pour ne pas dire nous sommes à la fin de cette émission. Et informer le public sur les droits fonciers des femmes et les dispositions légales mises en place par le gouvernement. Informer également le public sur l'outil d'engagement communautaire sensible au genre dans les investissements fonciers à grande échelle, tel... à éveiller la conscience des populations dans la région des plateaux sur les droits fonciers des femmes, tel à quoi a contribué cette émission, une émission initiée par l'ADHD en partenariat avec l'UIDAFAO et l'Union européenne, sans oublier Oxfam. C'était à l'occasion de la journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars dernier. Mais bien avant de nous séparer de vous, fidèles auditeurs et auditrices de la Voix Mariale, nous allons donner l'opportunité à nos amis pour un dernier mot à l'endroit de nos populations, surtout de la gente féminine. Merci, monsieur Jean-Marie. Et avant d'entamer le mot de la fin, j'aimerais préciser que l'outil CT a été développé par Oxfam pour permettre aux femmes et aux communautés de s'engager et de participer aux décisions lors de toutes les étapes d'opérations d'investissement foncier à grande échelle en vue d'améliorer la probabilité des communautés à tirer profit de ces investissements dans l'intérêt des moyens de subsistance durable, des droits fonciers sécurisés et de bonne gouvernance. Pour finir, je voudrais bien profiter de cette occasion pour remercier ceux-là grâce à qui cette émission a été possible. Je vais parler bien sûr de l'UIDAFAO, de Oxfam et de l'Union européenne. Je profite également de ce canal pour passer un coucou à ma famille depuis Lomé, surtout à ma maman chérie. Mes salutations les meilleures à mon directeur exécutif, M. Frédéric Dinadja, qui est actuellement en voyage, et à tous les autres membres de l'ONG ADHD, en passant par mon CPE, M. Adiavou Maovi, mon chef comptable, Adébayo Didier Abidonou, ma SD, Mme Yovo Rennes, et puis ma caissière, Victoire Dinadja. Un coucou à la directrice exécutive de l'ONG P2M et ses employés, ainsi qu'à tous les membres des organisations de la société civile. Je remercie les auditeurs qui ont prêté attention à notre émission et qui ont interagi à travers les coups de fil. Bref, je salue toute la région des plateaux. À présent, portez-vous bien et à la prochaine. Merci. Oui, merci beaucoup, monsieur Abdou Rachid. Monsieur Adebayo Didier. Oui. Oui. Yo, mi dakpe na mianovi to jinoto. Wa akpe gbanto ala ina wildafa oke nae wa emisyon ya FM kudo Oxfam Union Européenne. Wa mjima profite ma dokpe na miabe do oto, kwata DHDB do oto, pewe to anabe direkteur, monsieur Frédéric Dinadja, miabe secrétaire, Madame Yovo Afiren Kudo, ADHDB do top bata, ONG bata ke penaro mianchi, le nyon nuove jena yibe nkove gomea, ndogbe na wak batalo. E nyabebe kele asi nyanyibe, nyon nuo chaone site, nuwa wakwa na wawe jena esi olevo, e dog gantu aecha le waba simelo, nuo site kwa, e nuo bata ela inyere. Merci à vous, les membres de la DHD, à tous les personnes de la DHD. Merci à Mireille, merci au Père Martin, merci à Antoine, sans oublier Maman Hélène. Emmanuel, à toi. Oui, merci Jean-Marc, merci à toi également. Et nous disons merci à ADHD. Et j'espère que les femmes, et surtout pas seulement les femmes, toute la population de la région de partout au-delà, et vous qui nous suivez également sur l'application Play Store de Radio Maria Takwame, oui. Merci à vous et nous vous disons à la prochaine. J'espère que soit Jésus-Christ. Hein. À jamais. Oui.
merci beaucoup, mon père. Après, caca, papa. Ok, et après, toi, oui. Eh bien, nous, nous, Jénard et Kakoulou, nous, 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 mille plein dans l'ensemble, dans l'ensemble. Nous soutenons Lena Benanouya. C'est ça. On va venir nous soutenir Lena Benanou. C'est ça. Va essayer, essayer. Va ne me bâconner, miato, colibri. On va soigner nous d'arrache ni bon là. C'est ça. C'est ça. Nous bâtir ni bon. Assiouhol et si quoi. Va on y a nous qui a. Nous nous on t'a laissé ni à gamme voir. On le sort de l'imo. Eh ni à. Eh mais au talent on a dit ben nous nous on t'a démasqué les mains. Et tout le va pas primer. Les quelque quoi. Et on a mis John à dynamo. Non non le c'est quelqu'un l'eau que la bobe ah ah le cake bia si elle le cake si elle le cake même pas le seigneur de cas on l'état faut aimer on l'état TV non dit les moitiés voilà tout le monde avec blanc y a rien contre yo alors ah oh même les blancs les contre non de plus voici à quoi dans le même bon et non et ma soeur bien ah oncle Marcel alors que ouais alors que yima na parle que moi na ko voilà elle est où mais si moi na quoi yo ah ouvrani et ah yo donne aide des sous la cha ma peke ba vinne ko wese au na zona ai oko weni la ka na cha ofitu na yaba ya yoko weni la ma cha ofitu no ayaba mata ni ayoko weni la e ko azavizo no cha so na ona la me la e bo sizita o sola alo wi okuli ba au na mire na lire na ai wi okuli ko azonu sisi ya no ko se atedi sele na evla ni sisi mo mu ana alo ala ye bui mo ma ona zona kezo anije la bafa ne miya etiti evla me ke mu osila ole kwadi wakatu ja on va se à côté au fikro ma se on y lenu e fu beni e ko abiza ti ko ba ko su ona lo ola mole e ku se tu di la fa e ka mno se bi o ka dola ne ko bu a u vla na zo ko nu anton biazo ne e dia ko ka le di di vla la nu nu on si bla ku na muti ka ila me no ya fa nu atami on si ola yu du nu me na te nu a u vla e Mohamed la alo rashid la a u vla abdou rashid a se dia ilizo fa nu si si no la me wa menu ole ku be yi la ye eni ku ye ta ayo si ne we de ku mo aka ita ne fe mo mo no ba fa ke la ye mo zo kanaka o si utibla aku no na ayo o si ne fo de kan ne je dia fi ne fo de mo aka ni je te mo nye ku mo no na ba fa na an fo la ku no bi na ayo mo me ala ba fa na ne fo la ye ma te de me yi la ba fa ba pe ku afa na la me mu o yi do idi la me o ze nyo le na madu ba au vla au la per et dans tenu Martin Martin na yo kota azona yem la ko ka zonu ku se atede oni lado u se du e kweto u se lanu me emie o emie emie vla me u se du e kweto u se lanu me o si nu lu vi esinale ad no sinale nu wazoko ne sinale ma mele 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 o sinale la nu u se tu o si le o si u lu vi le u si o le u lu vi bam u se tu ta la me o sinale e ko akaba ka o si mo abaka u lu vi bi la e ku fa zonu mo non, non, c'est à toi, non, à toi, nous le vivons à toi, ou le vivons à toi, mais outia, moutina, namaka, ou le vivons outi, et quoi, caraca, oh, c'est moi. Mais abaka, ou le vivons là, même ou c'est à quel point moi, la fa. Oh, c'est pas le ministre, oh, c'est pas le président, oh, c'est pas tout le premier ministre, oh, c'est quel avion, ah, ou le vivons quel est, à base, on a l'os, c'est même, on a mal le président. Et bien, il y a quoi, à quoi, voilà, on a quoi, le président de l'Assemblée nationale, et bien, moi, l'annonce. Mais qu'on fasse nous, on l'a mais, et quoi qu'on l'a aussi sur là, moi l'a aussi sur. Anna ma mère, et qu'on s'est pas à zone ou le vie sous qu'on bébé, c'est à l'eau, ou c'est sous qu'on bébé ou le vie. Ah bah ma, moi n'a pas à zone ou sauce. Ah bah ma, zone ou sauce mina soit l'eau, ah ma carica sinale moi, la nate dié. Mais n'a terminé quoi qu'on a ouvlani, ah c'est l'eau du coup, attendez, à zone la va. Mais n'a pas à la cour, à ouvlani à cour, à zone, ok, fada, ok, ou le cerca, à un habit, non, à ouvla. Et Antoine, la neige est déjà qu'on a zone où il y a du mien. Mais voilà. Il y a un auditeur également qui arrive. Allô? Allô, c'est oui. Mireille. Ah, merci. Mireille qui revient pour une deuxième fois. Oui, je reviens par rapport à l'intervention de mon père. Oui. Qui a parlé du droit. Quand on parle de droit, on le voit bien à Benyamou, quand même nous soubénions à l'Union de Vignon. Dénaïa quoi, Dénaïa. Avec Dame et d'autres Dénaïa. Voilà. Amiani non, amiani vite, amiani mission,
C'est comme ça. Maintenant, pour tiatra et son éducation américaine, éducation bénédiction, et bon, c'est vrai, vague, éducation bénédiction. Les cabines, les soignants, les bureaux, les cabines, les soignants, les bureaux. Les miens sont mis les soins, les miens bureaux, sont les moussouillots, les miens du moussouillot, mis sur le dos. Et papa, TPA. C'est normal, mais là, il y a des diachers qui sont là, donc, ouais, il y a pas qu'un an, il y a nos vies, alors, il y a dada, il y a des diachers. Voilà. On est sorti, papa, sauf comme si c'est comme. Donc, nous, soit dans nos pobres, il y a pas qu'un an, il y a nos vies, alors, il y a pas qu'un an, il y a dada, et les mignons noirs. Donc, l'éducation, elle est très, très importante. Franchement. Cacavaro, cacavaro, fils. Kakavaro fifi ya dada mirei. E mila mila odon asuboru e le gba potole mi ba home potole mi be pome o mero. Voilà, voilà. Yo. Il faut que nous so à home, so kaka gome dede, le kemi ne flamme de viodo. Pour nous yemi la te corriger erreur ou oui. Donc ah non, puis ah yo bi fin de vous mi de fi. Parce que maintenant, il y a des verres plats, on nous a plats. Bon, là, on a des vignons, il y a des verres plats, madame. Ça veut dire qu'il y a des plats. Verres posés, non. Bon, il y a des verres plats, mais il y a des verres posés, non. Il y a des verres plats. Donc, pour si on peut dire, il est sourd, il n'y a pas de parents, on voit la home. Merci. Il y a des verres, il y a des vieux dos, il y a des chiens. Quand on a nos niaises, il y a des verres. Ami debe jinai yo la wene on kame nyon di alo ni muso voilà enyo dada mi re ape kaka arobe ape ma o yiro gbogbo resia o yiro le nyon o do mero. Alors, nous revenons, Emmanuel, en studio rapidement pour retrouver Abou Rachid pour la question qui concerne maintenant le cours de la famille. Le code de la famille. Et oui, et que disent concrètement les lois à propos du CPF et comment se fait le partage selon les dispositions du CPF? C'est ça. Ok, il faut rappeler d'abord que le CPF, comme définition, c'est le code des personnes et de la famille. Mais il n'y a pas que ça. Il y a de ces lois, plusieurs lois. Oui, je remarque que nous avons un auditeur ou une auditrice. Allô, allô? Louis Saint Jésus-Christ. Jamais. Ah, bien, raison. Yo, Yael est dit. Yo, maman Hélène. Dès qu'on va faire un meeting. D'accord, écoute. Et bien, les bois, bien, donne-nous, bien, bien. Eh, on m'a donné, on a invité à vous. Après. Bien, on caca. Malgré les gens, nous, nous, les hommes, nous, 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 derrière un grand homme se tient toujours une grande dame. Tamion, on l'a dit, mais le dos, on s'est roulé. Merci. Merci beaucoup. Et Jodinami, nous avons un don semi, et nous avons le don semi, nous soit. Quoique, mais ça me dit le coup, le plateau a dit. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vraiment. Donc, voilà. Je disais, ces lois font la promotion de la femme et pour l'équité genre, c'est-à-dire l'accès équitable des femmes, des hommes et des femmes à la terre. Nous avons pu recenser au moins 5 lois, dont 2 internationales, c'est-à-dire au niveau international, et 3 au niveau national, c'est-à-dire au Togo. Donc, au niveau international, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme, DUDH. Oui. Avec son article premier qui dit tous les hommes naissent égaux en droit et en dignité. Donc la phrase là veut dire quoi concrètement? On dit tous les hommes naissent égaux en droit et en dignité. C'est-à-dire que l'homme et la femme, ils ont le même droit. Puisqu'on a mis homme avec rattache. Voilà. Ce qui veut dire que l'homme ne peut pas supposer être inférieur que la femme en droit et en dignité. Point. Nous avons également la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, CEDEF. CEDEF dit, la discrimination est le fait, d'abord la définition de la discrimination, c'est le fait de séparer un groupe humain des autres en le traitant plus mal. Exemple de discrimination, les rites de veuvage diffèrent selon les sexes. Aujourd'hui dans les communautés, quand vous arrivez, quand il y a décès, très souvent on pense que c'est la femme qui a tué son mari.
Donc il faut passer par A plus B pour prouver que ce n'est pas elle. Soit on l'enferme dans une chambre avec des rituels pas possibles. On ne peut pas détailler tout ça là, ici à la radio, à cause du temps. Il y a aussi l'éducation scolaire de la femme qui est très faible par rapport à celle des garçons. Oui. C'est-à-dire la femme, la jeune fille, on envoie moins de jeunes filles à l'école que les jeunes garçons. Oui. La femme accède moins à la terre que les hommes. Ça, c'est un sujet sur lequel on ne va pas s'apesanter. Nous allons passer à la troisième loi qui est nationale, la constitution togolaise, avec son article 11 qui dit la même chose que l'article 1er de DUDH, c'est-à-dire tous les hommes naissent égaux en droit et en dignité. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, il y a le code des personnes et de la famille. Cette loi dit qu'on doit partager équitablement l'héritage, y compris la terre, entre hommes et femmes. Donc, c'est le père a maturé ça tout à l'heure. Voilà. On doit divulguer ça. Et nos parents, nos grands-parents, dans nos lieux reculés, est-ce qu'ils sont courants que l'État togolais a déjà fait l'essentiel pour que c'est le partage soit équitable? C'est ça le problème. Donc, ce code des personnes et de la famille, en son sein, on retrouve comment partager l'héritage. C'est ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, on vous suit. Donc, avant de partager l'héritage, il faut se poser un certain nombre de questions. Et nous avons organisé ces questions selon l'importance. La première question, c'est de savoir si le défunt a des enfants ou des petits-fils. C'est ça. C'est la question la plus importante. On se base d'abord sur les enfants ou sur les petits-fils. La seconde question serait de savoir si le défunt a un conjoint. Et quand on parle de conjoint, aujourd'hui, le CPF est en train d'encourager les mariages à l'état civil. Quand on parle de conjoint, c'est-à-dire que tu es marié légalement au monsieur, ou soit vous êtes marié légalement. Donc le CPF ne prend pas en compte l'union traditionnelle. L'union libre. Vous pouvez beau chanter, danser dans les églises. Si vous ne paraissez pas devant le maire pour légalement se marier, après la mort du conjoint, vous pouvez vous voir dépourvu de tout. Et Rachid, c'est là qu'il faut saluer aujourd'hui nos dirigeants religieux. Voilà. Chez les musulmans comme chez les catholiques, aujourd'hui, le mariage, on vous et dit que vous devez passer par ça. Voilà. Et il y a la sensibilisation dans les mosquées, la sensibilisation dans les églises, et c'est le lieu de les saluer. Ils ont compris, j'espère que la relève sera meilleure. Voilà. Justement. Donc, je disais, la deuxième question, c'est de savoir si le défunt, il avait un conjoint. La troisième question, c'est de vérifier si les parents du défunt sont toujours en vie, c'est-à-dire sont toujours vivants. La quatrième question, et c'est la dernière, c'est de voir si le défunt a des frères et des sœurs. Donc pourquoi on a classé ça comme ça? Vous allez voir ça à la suite. Nous allons répondre à des questions par oui ou par non. C'est ça. Premièrement, si on demande si le défunt il a des enfants, c'est oui. Est-ce qu'il a un conjoint, c'est-à-dire un homme, est-ce qu'il est marié légalement? Si c'est oui, on partage l'héritage en quatre parties égales. Les femmes ou la femme du conjoint, elle prend un quart. Et les enfants vont prendre les trois quarts. Si la première question, c'est-à-dire le défunt a des enfants, est oui, et elle n'a pas de conjoint, l'héritage va entièrement aux enfants. Vous me suivez? Oui. Voilà. Donc, la troisième question, la troisième partie, c'est lorsque le défunt n'a pas d'enfant, il a un conjoint et il n'a pas de parents. Donc, l'héritage va à ses femmes ou à sa femme. Le quatrième niveau, c'est lorsque le défunt n'a pas d'enfant, il n'a pas eu d'enfant, il a un conjoint et ses parents aussi sont en vie. Donc, l'héritage se partage en partie égale, c'est-à-dire moitié revient à ça ou ses femmes, moitié revient à ses parents. Demi-demi. Oui. Le cinquième niveau, c'est lorsque le défunt, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, ou bien il n'est pas marié, mais il a ses parents. L'héritage va entièrement aux parents, selon le code des personnes et de la famille. Le cinquième ou sixième niveau, c'est lorsque on retrouve non. C'est-à-dire, le défunt, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de conjoint, il n'a pas de parents. C'est-à-dire, les parents sont déjà décédés. Là, l'héritage revient
aux collatéraux. Et qu'est-ce qu'on désigne par collatéraux? Ses frères et ses sœurs. Vous me suivez? Oui. Voilà. Maintenant, si on retrouve non à toutes ces questions, c'est-à-dire il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, ses parents ne sont pas en vie, il n'a ni frère ni sœur. C'est-à-dire qu'il devient un homme sans trace. Voilà. Donc, tout ce processus-là revient. Non. L'héritage revient à l'État. C'est-à-dire que l'État prend possession de l'héritage, des biens de ce défunt. Alors, c'est ce que stipule la loi dans son ensemble. Le code des personnes. Mais comment cela est exécuté maintenant sur le terrain? Parce que la loi, le code a beau stipuler cela, reste maintenant l'application sur le terrain. Justement, c'est là les ONG, on doit faire appel d'abord au gouvernement et les ONG à leur côté pour faire un maximum de sensibilisation dans les communautés surtout. Puisque aujourd'hui, dans les zones urbaines, on remarque que c'est mieux par rapport aux communautés. Quand vous arrivez dans les communautés, franchement, le raisonnement de certaines femmes, les femmes pour lesquelles on plaide, les femmes pour lesquelles la lutte est engagée ou entamée, elles-mêmes, elles ne se sentent pas concernées. On arrive par exemple à une sensibilisation d'accès des femmes à la terre, vous remarquez qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Tout ce qui concerne la terre, la femme, elle est là, elle croise les bras, elle dit, bon, ça c'est une affaire d'hommes, c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Quand on dit terre là, c'est homme. Donc, elles ne viennent pas. Donc, c'est un phénomène qu'il faut vraiment mettre sur le tapis. Et on fait vraiment appel aux OSC de multiplier les sensibles. C'est vrai qu'il y a quelque chose déjà qui se fait. Mais il va falloir augmenter plus d'efforts pour pouvoir atteindre un maximum de communautés. Donc, c'est dû à un problème de sensibilisation. Voilà. Et de la façon dont les femmes même s'approprient la chose dans son ensemble. Alors, dites-nous, c'est quoi les investissements fonciers à grande échelle alors? Voilà. Les investissements fonciers à grande échelle, de définition simple, ce sont les achats de superficie de beaucoup d'hectares supérieurs à 200 hectares, accessibles donc à ces firmes disposant de capitaux importants et non aux exploitations familiales. On pourrait donner l'exemple de Saint-O, la sucrerie d'Anier, et de Sonaf dans la Gaule. Oui. Donc je viens de donner les exemples de...